nous, très chers internautes, nous poursuivons bien évidemment notre visite toujours dans les Bas-Congo, dans le cadre de notre association. Ici, nous sommes à Zumbudiakela, c'est un grand restaurant ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes venus en visite de plusieurs femmes qui ont quitté leur village respectif pour venir prêter main forte à la communauté kimbanguiste. Moi, je suis Miss Rico, vous les connaissez, vous ne m'avez pas oublié, ça me fait un grand, grand plaisir. Déjà parti de l'aéroport, vous avez été beaucoup, beaucoup à nous dire bonjour, à venir nous accueillir. Vraiment, nous sommes très, très, très reconnaissants. L'émission Belle un jour, belle toujours est toujours là pour vous. Dès que nous voyons par rapport à la beauté, il y a l'un des commandements qui n'est pas respecté, on vient pour essayer de recadrer, de redresser, de donner des conseils. Et ici, nous avons trouvé plusieurs femmes, beaucoup de nos mamans qui ont des soucis de peau. Ça s'explique, on n'était pas sur place. Là, nous sommes là. Nous avons des produits appropriés pour aider nos mamans. C'est pour ça que nous allons quand même faire quelque chose. Donc là, je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup de commentaires. Je vous laisse voir, visiter avec nous ensemble. Merci, on se retrouve. Thank you.
nakozwa yo wapi solo kitoko bebe iko. L'objectif est vraiment atteint. Notre souhait était de faire plaisir à toutes ces femmes, à tous ces orphelins, aux veuves et à toute personne qui se donne corps et âme pour aider les autres. C'était vraiment là notre souhait, leur dire bonjour, donner le peu qu'on avait. Et nous disons encore une fois merci beaucoup, mais beaucoup à Devers Cosmétiques pour leur implication à cette visite. Là, nous nous dirigeons vers Ngombe Kintsuka, le petit village où Papa Simon Kimbangu a fait les premiers miracles de Maman Kiantondo. Et là, nous allons visiter des enfants, des minis, si on peut les dire ainsi, les pêcheurs, les paysans, plusieurs personnes qui nous attendent. Venez avec nous.
Bonjour papa. Bonjour maman. Comment vous vous appelez? Qu'est-ce que vous faites ici à la Fondation? Je m'appelle Moïse Ntamboué. Je suis secrétaire exécutif national de la Fondation. Ah, ok. Nous voulons savoir vos difficultés, comment vous fonctionnez et tout ça. D'abord, merci pour votre visite. La première difficulté, nous sommes locataires. Ça pose problème. Il faut beaucoup payer, il faut beaucoup d'argent pour payer la location. Les deux, les bâtiments sont inachevés, comme vous le voyez là. Mm-hmm. C'est inachevé. Et nous avons besoin de terminer 3 salles de l'autre côté pour l'ISTEM. Ça, c'est l'une des difficultés. Et l'ISTEM, c'est quoi? L'ISTEM, parce que les gens qui nous suivent, ce n'est pas que des soignants qui nous suivent. Bon, je vais recommencer par ceci.
La fondation a trois structures. Nous avons l'hôpital, nous avons l'Institut supérieur des techniques, des technologies médicales, Mama Kizembu, et nous avons l'Institut technique médical au niveau secondaire. Alors, dans ces structures, il y a beaucoup de points qui posent problème. Bon, la fondation, d'abord, c'est une fondation à caractère philanthropique. Oui. On a des enfants qui souffrent. On a des orphelins, plus de 20. On a des veuves, il faut assister. Et puis, la fondation elle-même a besoin de moyens pour essayer de relancer les activités qui sont freinées. Les trois structures ici, l'hôpital, l'ISTEM et l'ITEM, n'ont pas suffisamment de moyens. Parce qu'il faut, pour mieux fonctionner, il faut un enseignement de qualité. Quand vous avez un enseignement de qualité, il faut un personnel aussi qui est bien payé, bien soutenu. Alors, comme nous n'avons pas assez de moyens, les enfants... Les enseignants qui ne veulent pas... Non, les enseignants viennent, mais... Moins motivés, parce que le salaire qu'on paye ici ne les donne pas le courage de se donner comme il faut. Sans indiscrétion, vous pouvez me dire comment touche un professeur ici? Bon, normalement, un professeur touche 1 $ par heure. Papa, mais 1 $... C'est 2000 francs. Heure. Oui, par heure. Ça, vraiment, je suis désolée, mais ça, c'est du bénévolat. Hein. Oui, mais c'est ça les difficultés que nous avons. C'est comment? Ils ont combien d'heures de cours, des choses comme ça? Non, ça dépend du cours. Il y a un cours de 90 heures, il y a un cours de 40 heures, 45, 25. Par mois? Non, pas par mois, toute l'année. Ah, par an? C'est par an, c'est toute l'année. Donc, si 10 la mois. Personne n'a qu'un cours de 40 heures, 40 heures il n'a que 40 $ par mois. $40 par an. Bonjour maman Julie. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que moi je vous connais, mais des milliers de gens qui nous suivent ne vous connaissent pas encore. Je suis docteur Laurence Kouti, médecin traitant au centre hospitalier communautaire Mama Kizembu. Merci docteur, ça fait déjà combien de temps que vous travaillez au sein de la fondation? C'est presque une année. Déjà une année? Oui, depuis que je suis ici. À la fondation comme médecin au centre. Et vous supportez de travailler comme ça? Bon. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est presque le rythme que nous avons trouvé ici. Parce que nous avons beaucoup de manquements au niveau de la fondation, plus particulièrement au centre. Nous manquons beaucoup de choses, surtout le matériel. Beaucoup de matériel qui nous manque pour bien fonctionner. Parfois, on traite selon la clinique. Certains bilans, nous sommes incapables de les réaliser dans notre petit labo que nous avons. Par exemple, c'est hier la nuit, vers 1h du matin, nous avons reçu un cas de tableau de convulsion fébrile, non fébrile, qui demande même le scanner. Mais vu la qualité même de la personne et les moyens financiers qui manquent de part et d'autre, de la part du patient, Et de la fondation. Donc le patient est incapable de réaliser ces bilans-là. Docteur, bonjour. Bonjour, maman Julie. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, c'est le docteur Ndjango Pascal, médecin traitant volontaire au centre hospitalier communautaire Mama Kizembu. Docteur, vous êtes chrétien? Oui, chrétien. Ça se voit. Parce qu'être médecin, maintenant après je ne dis pas qu'il y a des médecins qui ne veulent pas faire du volontariat. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui travaillent ailleurs et qui viennent prêter main forte à côté. J'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup en Belgique. Je pense à docteur Bergezan. Ça c'est mon médecin traitant. Docteur Bergezan qui nous a beaucoup encouragés à venir faire aussi de l'aide humanitaire. Et plusieurs médecins. Docteur Ndjango, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, votre fonctionnement? C'est vrai que votre collègue nous a déjà expliqué un tout petit peu, mais dites-nous, vous, comment ça se passe ici? Et quelles sont vos difficultés? Oui, exactement. Notre centre hospitalier est un centre qui dépend en partie de la fondation, qui chapeaute principalement les centres où nous mettons en œuvre des soins aux plus démunis. Nous nous occupons aussi bien des orphelins, des veuves,
et même des personnes atteintes des pathologies neuropsychiatriques. Mm-hmm. Parce que nous avons un service de neuropsychiatrie qui bien sûr est chapeauté par des médecins volontaires qui viennent aussi d'ailleurs, mm-hmm. qui travaillent dans différentes cliniques, qui viennent. Nous avons différents services, parmi lesquels la pédiatrie, où il y a même la néonatologie, la gynéco-obstétrique, la chirurgie, la médecine interne, la neuropsychiatrie. Et nous essayons de prendre aussi en charge quelques personnes âgées. Et surtout d'accord. les maladies métaboliques et des maladies non contagieuses. Mm-hmm. Les maladies émergentes où nous prenons en charge. Mais néanmoins, nous sommes butés à un problème, comme l'a si bien souligné la consoeur, ainsi que comme les soulignera les secrétaires de la Fondation. La Fondation n'a pas suffisamment de moyens pour couvrir tous les besoins, aussi bien de l'Institut supérieur des technologies médicales, ainsi que de l'Institut des techniques médicales, mais par-dessus tout du centre hospitalier, qui doit s'occuper de ces personnes démunies du point de vue sanitaire et surtout des cas de neuropsychiatrie. Mm-hmm. Nous sommes dans un milieu un peu rural, où il y a beaucoup de personnes qui ont des sérieuses difficultés financières, qui viennent déjà démunies et nous nous battons pour nous occuper d'eux. Mais malheureusement, ces personnes ont besoin aussi de soins de qualité. Mm-hmm. Ces soins de qualité demandent des équipements de qualité, ainsi que même une pharmacie de qualité. Notre pharmacie existe, mais il manque quand même pas mal de produits pharmaceutiques de qualité. Mm-hmm. Sans oublier, nous manquons des équipements des laboratoires, des premières nécessités, même des équipements de réanimation en urgence. Nous sommes incapables de réaliser, par exemple, l'EEG, parce que nous n'avons pas de matériel. On est obligé de demander aux malades d'aller les réaliser ailleurs. Mais face à et ailleurs, ils vont payer, non ? Ils doivent payer. Et c'est des démunis, comment voulez-vous les envoyer voilà. ailleurs pour que... C'est donc impossible ça, c'est triste de suivre de près correctement ces malades. Certains malades viennent avec des maladies métaboliques où nous voulons instaurer un traitement où nous devons garder en hospitalisation. On peut garder en hospitalisation, suivre avec nos soins, mais l'alimentation, nous essayons de couvrir tant bien que mal ce que nous pouvons faire en donnant les stricts nécessaires pour l'alimentation, mais nous ne sommes pas toujours capables de couvrir faute de moyens. Nous mm-hmm. sommes vraiment butés d'un sérieux problème de matériel, de moyens, et aussi du fait que la plupart d'entre nous sommes bénévoles, avec beaucoup de volonté, mais ce n'est pas tous les médecins qui acceptent. Donc il y a un mini problème de main d'œuvre pour que nous puissions aussi organiser correctement différents services. Parce qu'il y a d'autres services particuliers, dont les services d'hygiène, par exemple, qui est très capital pour notre centre, où nous n'avons pas peut-être de main d'œuvre dans ce sens. Mm-hmm. Parce que là, il faut chercher un spécialiste qui doit être rémunéré régulièrement. Oui. Ce n'est pas toujours évident dans notre système. Ok, c'est vraiment triste, mais ce n'est pas triste. Parce que Dieu n'est pas pauvre et la science évolue aussi. La science n'est pas pauvre du tout. Tous les soignants, moi j'ai adhéré à la fondation, ça fait quand même quelques années. Vous êtes soignant, vous êtes partout. D'ailleurs, vous pouvez prêter main forte. Ne fût-ce que passer pour faire une petite toilette, pour donner à manger, pour donner un peu des médicaments que vous avez, pour donner du réconfort à ces gens qui ont mal au cœur, pour essayer un peu de partager l'expérience que nous avons à l'extérieur et l'expérience d'ici. Faire cet échange-là intergénérationnel, tout ça, c'est très, très important. Vraiment, je vous remercie. Ne restez pas à ne rien faire. Réagissez. Il y a leur numéro de téléphone. On ne fait pas de la pub, loin de là, mais seulement pour nous, Anima, le bonheur des personnes âgées, le bonheur de l'humain nous tient à cœur. Je vous remercie. Et encore nous continuons avec nos visites. Ici, nous sommes au Home Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa, où nous allons visiter tous les résidents, la religieuse qui s'en occupe. Maintenant, il y a des gens qui vont se poser des questions. Je suis chrétienne, oui, je suis chrétienne kimbanguiste. Et l'église kimbanguiste m'a toujours enseigné l'amour. Le peu qu'on a, on essaie de partager avec les autres. Et mon travail d'aide-soignante, d'aide-infirmière, me demande de faire sourire les personnes qui en manquent. Donc ici, je vais faire quelques soins de confort aussi. Je vais essayer de leur montrer une petite technique
comment parler avec les personnes démentes, parce qu'il y a une dame qui est très très chaude. Je pense à notre Cantou. Pauline, je pense à toi, mais on va essayer, on verra si ça va bien se passer. Donc je vous laisse suivre, un grand merci, on va se retrouver pas très longtemps. Devant le vieux et les jeunes papas qui sont ici, et les autres sont à la chambre. Comme il fait froid, nous remercions maman. C'est vraiment malgré trop de jours, on ne s'attend pas à votre voix, maman. Si vous êtes vraiment à votre idée, nous vous souhaitons pour la journée d'aujourd'hui, avec la petite déjeuner que nous avons mangé pour aujourd'hui. Ça nous intéresse, ça nous fait plaisir. Vraiment, n'oubliez pas de nous envoyer quelque chose qui peut être intéressant pour nous, les vieillis, les saints espères. Alors, nous n'avons pas beaucoup à vous dire. Nous vous souhaitons bonne journée. Merci beaucoup, maman, pour cette journée. Merci. Bonjour, madame. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Parce que nous, on vous connaît, mais mes résidents qui sont en Belgique ne vous connaissent pas encore. Je suis la sœur Yvette Koussou Mayabou. Je suis thérésienne de Kinshasa depuis 1981. C'est en 2016. J'ai été affectée, j'ai été nommée ici comme gestionnaire de l'hospice Saint-Pierre. Ah, d'accord. Et vous avez combien de résidents ici, actuellement? Actuellement, ils sont au nombre de 12. Et les familles passent quand même voir leurs vieux? Non, c'est rare. Moi, depuis que je suis arrivée ici, ça fait 6 ans, il y a quelques-uns, 2 ou 3, où la famille passe. Mais le reste, la famille ne passe même pas, depuis que je suis arrivée ici. On ne voit même pas, on ne connaît pas leurs membres de famille. Qu'est-ce que vous pouvez demander aux personnes de bonne volonté?
Non. Ce que je peux demander aux personnes de bonne volonté, de nous venir en aide. Parce que il y a un moment donné, du juin jusqu'au novembre, les gens ne venaient pas. Il n'y avait personne. Personne. Nous, on est passé aujourd'hui dire bonjour quand même. Non, ils ne venaient pas, mais après, ils viennent quand même. Ils ont repris. Mais okay. Il faut vraiment que tu aies la foi. Sans la foi ici, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on prie pour que ces gens reviennent. Parce que moi, quand je suis arrivée, nos congélateurs là, 5 congélateurs remplis de nourriture. Mais depuis après, un certain temps, c'est parti. On a acheté, on a renouvelé les congélateurs, tout ça, là, mais les gens ne viennent plus comme avant, donc c'est vraiment à compte-gouttes, tout ça, là. Donc c'est la malheureux, crise mondiale mais, aussi. Vraiment, la crise aussi. Je sais ce que c'est, essayer d'aider. Circe, nous vous disons un grand merci. Merci aussi de votre part, d'avoir pensé à nous, parce que il y a les gens... Quand ils viennent, ils préfèrent aller faire le tourisme, oui. Aller dans la télé, tout ça là. Mais vous, vous avez pensé venir voir les déshérités, les vulnérables là. Donc, que Dieu vous bénisse. Vraiment. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu bénisse toute ta famille et merci. Bénisse le travail que Mon tu travail fais. Mon travail aussi, c'est le groupe Anima. Je travaille là, oui. Je travaille là où tu es, tu travailles. Que le Seigneur bénisse aussi votre milieu, là où le mariage, là, les enfants, merci tout ça là, pour que à la prochaine, vous puissiez encore revenir. Merci beaucoup, ma sœur. Une bonne merci. Journée à vous et beaucoup de courage pour le travail que vous faites. Et je ne peux pas vous le dire parce que vous connaissez mieux que moi, mais Dieu va vous les rendre. Ça va, merci beaucoup. Merci, au revoir. Yo la paz, para lo que te caímos, limón, usan tu té.